Salut gamer, c'est Bibox, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 33 sur Black Clover. Je tenais à m'excuser parce que la dernière fois j'ai dit que c'était l'épisode 37 ou 38, j'avais vraiment abusé alors qu'on était qu'au 32e épisode. Donc là on est vraiment au 33, j'évite de me tromper. Donc c'est le page 33, un jour aider quelqu'un. D'ailleurs c'est bizarre comme ça sonne, un jour aider quelqu'un, non? Voilà, alors qu'est-ce qu'on a pu voir dans cet épisode? Tout avant qu'on fasse la petite review, j'aimerais vous demander quelque chose. Comment vous préférez que je fasse cet épisode? Avec spoil ou sans? Là, ça fait que deux jours que l'épisode est sorti, avec spoil ou sans. Donc, soit je mets un peu du spoil dedans, je vous dis des trucs, ou sans. Donc, je vais faire comme ça, vous dites si vous préférez comment je fais la review. Et est-ce que vous préférez que je mette des petits extraits dans les vidéos ou pas du tout? Comme j'ai fait le dernier épisode, j'ai mis des petits extraits à certains moments. Et voir ce que vous préférez pour vous, ce que je mets dans la vidéo. Donc, je laisse ça comme ça et puis on va voir. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Ben, j'ai bien apprécié. Gauche, j'ai plus de nouveau eu de la foi pour Gauche, parce qu'il est parti. On en a appris un peu plus sur sa vie durant le moment qu'il partait et il est revenu, il a voulu aider Asta. Et on a pu enfin plus, on a pu un peu comprendre le pouvoir de l'épée d'Asta. Il a une épée spéciale, son épée un peu plus légère, épée de gladiateur, on va appeler ça comme ça, ça ressemble un peu à une épée de gladiateur. Plus légère où elle fait de la lumière, elle a déjà fait une fois avec. J'oublie son nom. C'est la fille qui a le pouvoir de l'eau, qui n'est pas très bien contrôlée, c'est... Je sais plus comment elle s'appelle. Elle a une fois avec elle, puis cette fois elle a la même chose avec Gauche, donc son épée est devenue blanche. Vous allez pouvoir dans la miniature. Son épée est devenue blanche, et à voir, quand Asta, quelqu'un, a la foi en lui, ben il arrive à prendre un peu de son pouvoir et l'utiliser là-dedans. Donc là, ça ne peut plus aider, donc la bataille a été gagnée grâce à une technique spéciale qui a été ajouté grâce à l'épée et quelque chose d'autre que vous pourrez voir dans l'épisode vu que je vais pas trop vous spoiler, comme ça vous pourrez savoir. Donc j'étais agréablement surpris. On a pu voir aussi, une fois que le combat a gagné, quelqu'un va venir et va voir sa puissance majestueuse qui va être là. Donc vous verrez que ça sera, il a une énorme puissance, je vous dis juste ça, il a une très grande puissance. Donc à vous de deviner qui c'est avec cette grande puissance. Et il y a quelqu'un qui va mourir. Donc à vous de deviner qui va mourir, est-ce que ça sera Gauche et ça sera quelqu'un d'autre. Donc je vous laisse deviner qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, ben moi j'ai beaucoup aimé l'épisode, comme d'habitude c'était assez bien, les combats j'adore, l'effet des combats c'est toujours assez bien travaillé, donc j'aime beaucoup. C'est vrai que des fois les dessins, qu'on peut voir au moment certains dessins, ça se voit qu'ils ont plus accès au combat et que les dessins sont un peu moins travaillés, mais ça dérange pas. Franchement j'aime beaucoup que la Black Clover, comme on dit, c'est un peu le renouveau du shonen qui est avec My Hero Academia en ce moment. Donc j'aime vraiment beaucoup, j'espère que ça va suivre un long moment. Là on est à la page 33. Donc je sais pas c'est à quel moment du manga vu que je lis pas le manga. Pour ma part vous pouvez voir à côté là j'ai beaucoup de mangas, mais Black Clover c'est pas dans ma série, donc peut-être par la suite je vais prendre pour lire et voir ce que j'en pense. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, n'hésitez pas à me dire comment vous préférez que si je fasse du spoil ou sans spoil, ou si je mets des extraits en même temps dans la vidéo pour faire la vidéo un peu plus dynamique, ou si vous préférez comme ça que je parle plus rapidement, ou que j'étale plus sur l'épisode, que je m'attarde vraiment sur les choses concrètes de l'épisode, ce que vous préférez, et j'adapterai comme vous aimez, ou je ferai comme moi, vu que c'est un peu comme j'apprécie faire les vidéos, donc je les fais, je vous les partage, et après n'hésitez pas à me dire comme ça vous apporte. Donc merci à tous pour cet épisode les gamers, j'espère que ça vous a plu, et on se dit à bientôt, abonnez-vous pour les prochaines reviews, merci, et ciao ciao.